dans le développement actualité. On a commencé avec une autrice. Il y a un agent police nationale d'Haïti, PNH, qui est affecté dans l'unité départementale maintien d'ordre. Udmo, individu moun pa identifié, touyel après-midi samedi passé, 19 décembre, entre Delma 19 et 31, c'est ça n'apprend. Policier ça, il était identifié sous nom Boya Alain, lycée, les soutien à 18e promotion institution policière, c'est ça. Guillaume Sous nan PNH là, qui confirme le pour nous, faut souligner tout. Guillaume situation panique qui était régnée Delma 19, précisément. Dans zone ça qui est les cités au caille, c'est là et même gang Simon Pelea était aperçu voyou et justement information t'as fait quoi, c'est ta gang ça qui finit avec la vie policière. Gang ça a mis au tap si on est plusieurs dans zone ça à bord de une motocyclette, même gang ça est accusé par des monde qui dans zone ça d'avoir justement parce que c'est eux même qui t'a commet forfait hein, selon riverain yo. Policier ça te gain habitude pour lui intervenir en faveur de un groupe justement qui compte groupe ça qui toujours a simé la troublaille dans zone si là. Finalement Alain Boya justement c'est 18e promotion police nationale d'Haïti li nan Udmo li bois de Bouchli, c'est individu moun pa rive identifié qui touye l'examen mais moun nan zone nan longe doit 17 longueur sous monsieur Simon Pelléo dit qui t'a commet ça. Parallèlement jeune gestionnaire ça Bianca Gauthier 24 l'année qui était kidnappé dans après-midi mercredi 16 décembre passé dans l'attente la plaine li joine libération contre rançon dans la nuit samedi 19 pour l'ouvrir dimanche 20 décembre 2021 et justement il était contacté famille. Il y a pas de préciser montant exact, il était bail pour être capable de joindre libération toutefois, il dit content en pile, il rejoindre Bianca et Gauthier, jeune Bianca ça selon dernière information, il est en forme, il est encore souriante malgré 4 jours passés en bas mais ravisseur en dehors de la Cali, famille dit remercier bon Dieu qui te permet ravisseur libérer, c'est ne sauve jeune gestionnaire ça pendant il souhaitait que bagaille changer, il faut que quelque chose change dans le pays. Car il dit insécurité à la taille madame bien sécurisée en Haïti et malgré ça il y a différentes mesures que autorité policière ont annoncé yon pièce moun par exemple autorité c'est mes il a pas annoncé nous fait carré mourir c'est sous mes autorité ici annoncé n'a blague kono c'est un moment très difficile en pile nous pas dormi du tout que nous t'a sauté en pile mais bon Dieu fait grâce les libérer c'est ça yon sœur Bianca fait connait n'a pas rappelé que Bianca Gauthier il était kidnappé mercredi 16 décembre la plaine alors que il était à bord de machine li côté il t'a saut travail pour te retrouver famille santo et ben nèg yo t'ai kidnappé finalement il libéré le contre rançon combien l'argent y est famille pas aimé dit ça famille monde kidnappé pas aimé dit ça mais ça qui important même si tu ba un goût ben Dieu continue à défier l'État. N'a toujours été dans sa guerre pour avec cause insécurité qui apprend j'arrête dans société à réaction pas suspend tomber beaucoup de divers acteurs politiques à divers l'autre monde dans société à gain ce sénateur Steven Benoît qui ba exécutif la responsable gangstérisation pays ça qui plonge dans une insécurité généralisée ce sénateur apprend plusieurs exemples qui montrent à crainte sa grande relation concordat et amitié gros chef exécutif gain à cabandio dans ce sénateur Steven Benoît voyez j'étais bien loin l'idée qui t'a fait quoi opposition a impliqué tout dans remonter sa kidnapping yo c'est parlementaire a précisé administration Moïse Jouan a cherché instaurer un climat pérès pour empêcher population haïtienne lever campé contre yo en côté ancien sénateur Steven Benoît dans micro Romane samedi j'ai 6 corps armés cap frappé pour lui là sous territoire donc je dis à la compte ça nous aussi monsieur va de honnête quitter nos positions ni moi même qui nos positions cap commander ça zam yo yo go origine puis faut la dans ces ports de Miami yo monter bateau et yo go destinataire n'importe quoi personne pas jamais connaît nos moun yo il a arrêté un seul moun là et je dis à c'est un technicien moi pas comme ça mais le garder dossier moi son nèg c'est une armurier pays à gagner et moi mieux que qu'on a travaillé ni pour la mer ni pour la police donc son équité légal dans droit c'est monsieur prend nèg green moun qui légal là Eric dans prison tout l'autre des cap importer zam yo les M4 M16 tout ça on est yo nèg a libre circuler c'est un délire dit c'est 11 familles c'est vrai arrêter ça là je suis bluffé lui même je suis les cap assuré qui parle en pile et nous même pour ça la parler hein je suis trois blocs fait sur mon ballon machine ballon prado neuf ballon crop chaque mois barème on parle de papa c'est là mais tout mon bien ça reconnaît mais bah j'ai fait là ouais son équipe par contre ça fait d'ailleurs moi j'ai plusieurs missions m'attendez je dis il va pas éviter mission encore je me fais comme ça la parler
Finalement, monsieur pour responsabilité, monsieur dit lui Ligue fédérée gang. Vous pas me dire monsieur dit monsieur Ligue fédérée gang. Pour parler national. Son nèg normalement ça serait en prison. Nous pas même dit que nous sommes l'état délinquant. Premier ministre dit une communication constante à gang. Président de la République dit 3 minutes après assassinat au bâtonnier et 3 minutes après madame lui montre la vidéo. 2 minutes après madame me gagne pour venir devant juge. Pas je vais tuer mon nom, même si madame me gagne explication pour venir dans un juge. Donc tout ça, qu'on est là, si c'est opposition au Manes qui a porté ça, tout n'est pas compte déjà. Et puis à qui pouvoir opposition qui a commandé nos âmes et Miami pour aller sous waf, pour aller prendre contenir les amours, pour aller la caillou. Et bien, il y a quelques années, des gros bateaux cocaïne qui devinent un bateau à la rue, sous waf là. Tout le monde va prendre ce bateau à l'air, les gars de Wa et ceux qui demandent, alors de gagner sucre en l'air, cocaïne en bas. Un bateau de drogue sucré. Combien de fois bateau de drogue entre dans Port-au-Prince que nous ne connaissons pas? Il y a des gens, comme vous n'êtes qui supporter le pouvoir, comme son simulat dans Port-au-Prince, qui gagne comme, comme ses amis présidents, au contraire, sa président fait avant d'aller, président, président. Et décorer monsieur le nommé ambassadeur de bonne volonté. Bah, ça ne faut pas oublier. Donc, je dis à la, nous, on est à délinquant. Tout autant que c'est délinquant, ça va pouvoir, bah, il a continué comme ça. Nous, quand même, numéré 50 000 cas de délinquance de pouvoir, ça arrive, mais ma fausse rappel. En 2008, 2009, 2010, auditeur capitaine de Alpha Recherche pour nous dire moins combien de fois, t'es gagné un média, dont mes gars de Miami et de Port-au-Prince, pour dire que j'ai un cas de kidnapping. Fais-moi d'après-val. 2008, 2009, 2010. Zéro cas de kidnapping. Pas de ça. Donc, kidnapping, nous avons commencé avec l'arrivée du PHTK au pouvoir. Et faut nous dire, le PHTK, c'est qui est ici. C'est Martelly, c'est Lamotte, c'est Jovenel Moïse, et tout consort, tout député, sénateur, magistrat, délégué départemental, directeur départemental, qui doivent supporter. Donc, je veux dire, là, un constat qui fait, régime PHTK, c'est lui qui vient avec terreur, ça, ZAM, distribution de M50, M14, M4, M16 dans tout le pays. Hein. C'est eux qui mettent gang, vous allez voir, n'est pas cabal ça, rien, n'est pas cabal sous frontière, n'est pas cabal grandier, n'est pas cabal dans quel côté, ou pas cabal soit, pas cabal dans quel côté du pays, parce que, n'est-ce pas, mettez gang dans tout le pays pour faire mon peur, pour le peuple pas manifester et colère ou bien désaveu vis-à-vis de eux. Ancien sénateur Steven Bedon a fait qu'on est là pour pouvoir trouver une situation difficile à cause internationale la mandé ou là pour éliminer gang yo. Dans ce sens, ancien parlementaire a mandé bandi yo, tant pris souple, rend tête yo dans un bureau l'ONU, dénoncer pouvoir pour capable empêcher exécutif la touiller ou même avant la justice, guette fait lumière sur certains crimes qui fait dans la société. Hein. Steven Bedon a été à moi samedi passé à Napanouaba. Les criminels pas écoulent la politique. Pouvoir ça, lui-même, ça le fait pour Québec pouvoir, lui choisit une équipe de gang que lui supporter que la baïkob pour essayer de protéger. Mais moi, je dis gang, c'est ça. Mais chaque temps, mon émission, j'ai possibilité de me faire deux conseils. Moi, je dis, on est au barbecue, comme je me suis dit, moi, je dis, songez Tupac, songez Billy, songez la bannière, songez les frères à boîte, songez Green Sony, songez tout le monde. Tout le monde, t'es grand époque, à un moment ou à l'autre, tu as supporté un pouvoir. Pouvoir utiliser, baïkob, fait kidnapper pour yo, fait tuer pour yo, fait opposition courir pour yo, et en fin de compte, le pouvoir pas besoin de quoi mieux venir à le parler, nous voulons finir papa et radio, comme il va mettre le pouvoir dans la situation, pouvoir marcher, le manger, l'assassiner, grain par grain. Et me dit barbecue, et qu'on a toutes les choses, on est ISO, Chris, on a toutes les choses, comme on a des radios, comme on a des vidéos, on a des vidéos. Mais dis yo, le métier, il y a là, on a grain par qui vous vivez, il y a mourir. Pouvoir, notre bout là, pouvoir pratiquement pas besoin encore, pouvoir. La preuve, vous allez pouvoir marcher rentrer sur vous, pouvoir les éliminer pour ne pas parler. Ça tape bon pour vous, je dis à la, peut-être yo dans le bureau de l'ONU. Parce que effectivement, si elle peut-être dans le commissariat là, il y a GP qui vient d'assassiner au côté de là. Peut-être yo dans le bureau de l'ONU. Entendez-vous, si elle est 10 marron comme le fédéré, l'équipe de fédéré a demandé au rendez-vous, yo tout peut-être yo ensemble fait déclaration. Et puis peut-être peine yo a réduit. Ça a bien une déclaration. Qu'est-ce que vous voulez pour qu'elle fasse travail? C'est ok, patron. Pas bien, nous avons deux catégories là. Nous avons les bandits captés pour pouvoir. Et puis nous avons le criminel commun. Nèg qui depuis le petit, depuis l'école, la volé, etc. Nèg ça allait en ligne, tout libre de l'Oualium. Il n'y a pas de ni à gouvernement, ni à opposition. C'est volé lié. Vous comprenez bien, il fait criminel lié. Parce que pas de l'État. Même du nèg qui fédéré. Criminel qui a travaillé pour pouvoir, et eux-mêmes qui disent, ils ont dit, ils sont obligés d'entrer dans le kidnapping tout, parce que pouvoir de vous payer 15 000 dollars US pour moi, ils ne pas payer comme là encore. Ils disent, donc, je dis à moi, ils disent, l'État va le marcher sur eux,
pouvoir tête calé à pas manger au grain par grain même que ça fait il y a 20 ans il y a 30 ans moi me dis si on veut vivre si on veut aider pays à ceux qui parent pas madame petit frère cousin mon oncle dans pays à si on veut aider pays à regonger yo ka repenti yo peut-être yo fait déclaration dit ça pour gagne pour dire peut-être y a sauvé vie yo peut-être y a commué peignon pour m'a connait le prince 50 ans après 20 ans prison très bien c'est recommandation pas m'bou il n'a pas pour pouvoir kou y a là comme patron pouvoir l'international plus particulièrement américain mandé pour y arrêter chef gang yo pouvoir lui même qui t'a remérité au-delà de 7 février kou na la fonction de démagogie propose que derrière gangster yo mais il va même pas me quoi derrière frère mais si on capture deux trois et gangster connait ça tout d'ailleurs chaque temps gagne une opération pas fait la police gagne temps les chefs de gang nego quitter zone non nego dit lui dans radio nego vidéo là nego dit mon ça gagne temps connait opération fait nego gagne quitter t'as dit village de c'est des zones qu'a fait là c'est petit malheur qu'a payé pour casser et belle gravine c'est petit malheur qu'a payé tout chef de gang temps à l'abri parce que patron dit nous pas le fond show médiatique pour américain donc elle mettez mon l'autre côté vous donnez la 13 heures barbecue chita dans parler là a quitté 2-3 jours passés ouais ça. Déclaration Saint-Sénateur Steven Benoît, même position pour pas parole mon poids de là, c'est Jean-Louis qui croit insécurité qui vient là, sur cette insécurité qu'il planifie dans plus haut niveau dans l'État. Ancien parlementaire prend comme exemple un gros bras dans le secteur privé à l'édiquité supporté pouvoir décider d'alimenter gang dans la Tibonite pour baisser production d'Iria dans l'idée pour favoriser importation porte-voix Front National Démocratie à c'est Jean-Louis croit situation ça, vient plus compliqué la garder population qui a fait face à qui l'État qui perdit confiance que population perdit confiance dans l'État. C'est Jean-Louis souhaité citoyen yo lever campé pour capoter équipe là. En côté ancien député Serge Jean-Louis dans micro Romane samedi. Insécurité planifiée par l'État même. D'ailleurs, toujours bien position très clair sous lui. Son insécurité qui planifiée par l'État au plus haut niveau que nous assimiler l'État en l'État terroriste. On est cap terroriser propre citoyen, propre citoyenne. Dans le niveau mon pote, dans un premier temps, mon pote maintenant à l'intérieur des forces nationales pour la démocratie, nous sommes très clairs sur la gestion qu'a fait notre pays à la, sur gestion irrationnelle, sur samedi, sur gestion médiocre, comprendre, avec des inexpérimentés qui entrent dans l'État, pas maîtriser. En fait, rien. La conclusion, elle est très claire. Pas de rien qui a fonctionné. Dans le pays, au point tel que nous assimilons pas de l'État. Qu'on y a, à un certain moment de la durée, l'on a une autorité dans la société qui a dirigé, l'on a une autorité à respirer confiance. Je dis, et pour l'autorité en paix. Quel que soit. Parce que l'autorité a symbolisé la peur. C'est une sécurité planifiée, calculée pour neutraliser une bonne partie de la société. Si vous voulez, vous neutraliser tout le peuple. D'accord, pour exemple, c'est pour la Timonie. Originaire des marchands des Salines, d'ailleurs tout pays a, de honnête, ancien député marchand des Salines, élu sous la bannière du Front National pour le Changement et la Démocratie. FNCD, Kevalea, c'est côté qui fait plus de rire. Madame Marchand des Salines, Lister, Dédune, Grande Saline, et puis Tilvier de la Tibonite. C'est là où fait tout dire. Bon, je veux dire, a fait gang qui vient dans Savien. Les neutraliser la production. Production, comprends ça. Mais c'est pas mon bail. C'est mon bail. Comme si Mdara doit aller léger, non? Romanes, tout le monde capte de son bail planifié pour réduire la production du RIA, pour faciliter l'importation. Pour nous réduire l'importation, pour nous faciliter l'exportation, mon cap fait le bon intérêt. Oui, mais est-ce que c'est mon cap pour dire l'État qui est voté? Est-ce que mon qui est voté pas créer l'État ça? C'est eux mettre l'État. C'est eux mettre l'État, oui. C'est mon cap importé qui est cap importé sur créer l'État ça. Ma conclusion, elle est celle-ci par rapport avec l'insécurité. Nos propositions sont libres plusieurs fois dans le niveau. Là, au niveau de force nationale pour la démocratie. Donc, on sait insécurité planifiée, généralisée, qui crée dans la société où il y a la peur. Parce que, n'est-ce pas, dans la tête, il n'y a pas fait élection frauduleuse. Il y a empêché, monde sérieux, entrer dans le processus-là, pour te désigner, monde choisi, monde qui ouvre. Qu'on appelle, il faut nous faire. Dans la société, 12 millions de citoyens environ, qui subissent, la répression, la peur. De quelques centaines, de milliers de monde. C'est qu'on a faut gagner. On réveille de la conscience collective pour dire, nous ne pouvons pas croiser, nous
pour nous quitter Haïti à fonder. Secrétaire général Conseil Barou Port-au-Prince, M. Robinson Pierre-Louis, dénoncé DCPJ qui bloquait avancement dossier Montferrier dans Valla après des mois d'opi dossier à Nameyo. M. Pierre-Louis expliquait, juge la tête DCPJ commission pour mener enquête là, mais il refusait avancer malgré qu'il y ait toute information dans Nameyo sous crime ça. M. Robinson Pierre-Louis révélait jusqu'à présent, juge la obtenu un rapport DCPJ qui ont même refusé tendre une série personnelle clé dans le dossier assassinat dans Valla. M. Robinson Pierre-Louis n'a pas droit à ma samedi. DCPJ, bon commission rogatoire, il y a plein pouvoir pour le travail pour le juge d'instruction. Il y a deux ans avec le DCPJ, j'aime DCPJ détient toutes les informations. Et m'a dénoncé ça aujourd'hui à sous on radio ça. Et m'a demandé pour responsabilité de DCPJ, il joue un rôle livré. Parce qu'il n'est pas qu'à politique, il n'est pas qu'à protéger le secteur. Parce qu'il y a une responsabilité. Et moi-même, m'engager, nous dit ça là, au nom du bord de Port-au-Prince et de la Fédération des Barreaux, même toute coalition Barreaux internationaux qui a supporté dossier ça. Il n'est pas normal pour DCPJ à toucher l'argent, contribuer à Haïtien, pour le travail, pour contribuer à Haïtien. Et je dis à DCPJ qui est toute information généralement quelconque dans le dossier mettre devant là. Écoute, le juge d'instruction balle commission, regarde-toi, balle plein pouvoir pour l'agir. Et puis, et il a décidé, le juge a dit, ça fait deux mois, nous va dire, mais ça qui passe. Ah, il dit, ah, mais ou même qui pourtant des mounes ça. Qui parle qui moun? Bon, bah dit qui moun, baron qui moun. Les informations. Mais CSPJ qui information qu'elle pas voulu collaborer. Et ah, prend responsabilité. CSPJ. Ça est nouvelle. CSPJ. Ça est nouvelle. Moi-même, je dis ça, je m'engage. CSPJ. Compédéo. CSPJ pas voulu collaborer avec juge là pour bal moyen pour protéger tête li pour avancer dans le dossier. Mais je vais pas tout DCPJ. Bon équipe, parce que Gené qui n'a même magistrature là. Qui pas t'a souhaité juge la réussite dossier. Oui, vous causez. Je voulais faire échec. Et ça me dénonce. DCPJ détient les informations. Je n'ai pas jamais jugé aucun rapport alors que vous avez une commission rogatoire pendant 15 à 22 jours. Vous avez gagné 2 mois, mais vous n'avez jamais dit juge. Et ce n'est pas normal. Tout le monde connaît ni. Au niveau Baroa, grand pile conseiller, batonnier, comme ça va me dire. Tout le monde connaît. Et nous parler, nous avons fait des marches. Et nous écrit CSPJ. Nous écrit et ministre de la Justice, nous écrit Premier ministre pour faciliter le dossier à avancer. Comment ce que tu as supposé faire enquête là, avancer là, pour nous juger, tu as supposé dans phase pour la prédiger et ordonnance là. Il est bloqué dans le DCPJ. Moi-même pensé, le DCPJ, pas jamais dit rien. Correct. Or, il y a 2 mois. Vous avez ça. Bon, M. Robinson Pierre lui révélé qu'il y a un gros plan qui est bien monté pour bloquer le dossier d'Orval là. Plan ça a gagné plusieurs monde dans le système justice qui est engagé pour faire travailler ça. Secrétaire général, le secrétaire Barreau de Port-au-Prince a annoncé avant longtemps, juge Renaud Régis après le contact international là pour faciliter eux. Tendez, plusieurs autres monde dans le dossier ça qui trouvait eux dans le pays étranger. Barreau Port-au-Prince, la fédération Barreau, il prend engagement pour lui bien fait sous dossier assassinat M. Montferrier d'Orval là. Après appelé, qui était perdu la ville en date 28 août passé. D'après M. Robinson Pierre-Louis, qui rappelait Bartonia qui est tombé pour contrecarrer renforcement état de droit dans la société haïtienne. En côté, pour une dixième fois, M. Robinson Pierre-Louis. L'invitation aujourd'hui est confirmée pour le 15 janvier. Sandé ou est-ce que tu as le juge n'a aucun rapport avec elle. Et le document du juge est sorti sur 2 pages. Je dis ça. Le baguette, ça, son mari, il a fait diversion. Il dit qu'il y a des gens qui ont essayé, des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent contre le juge là. Nous avons travaillé contre le dossier. Le système actuellement là. Et nous connaissons ça. Ça se comprend. Nous connaissons les gens, plusieurs personnes nous connaissent. Et il y a des gens qui guettent. Nous avons qui planifient tout. Ok, éventuellement. Le dossier de M. Doval, c'est que Monseigneur Dumas. Pierre-André Dumas. Si Doval n'a pas une justice, bon. Si il n'a pas une justice pour M. Doval, il ferme tout le bagage. Et comme de fait, nous disons ça à papa. Faut que Doval vienne justice. Et j'aime dire tout à l'heure à tout. Pas oublier, il y a des gens dans le système non même qui a arrangé tout le bagaille pour le dossier avoir abouti. Et moi, je dis ça encore. Actuellement, le juge l'a le travail. Il y a un pilote qui le juge l'a parlé. Il y a un autre monde qui n'est pas ici. Et il est possible, très probablement, très prochainement, tout, nous allons apprendre ça. Il y a une demande d'entraide internationale. Parce que il y a un monde que le juge a besoin d'entendre qui n'est pas ici. Ah bon? Bonne information. Qui est capable d'aller chercher pour joindre et même demander bail autorisation lui-même dans le pays à pays côté Mounsaria à juge pour attendre là pour juge à même temps assister
Il n'y a pas de système, mais il a demandé. Des bagages qui ont fait, des bagages qui ont planifié. Je félicite le président de la République hein, pour sa franchise le cadre du dossier de Maître Doval. Au lendemain de la mort de Maître Doval, ou de l'assassinat capulé de Maître Doval, il est monté au créneau pour dire décréter 3 jours. Et ensuite, il dit quel que soit le monde qui est impliqué dans le dossier de Maître Doval, la justice doit triompher sous lui. Et ça le dit, le public, pas vrai? Ouais. Et puis, quelques jours après, dans une émission, il n'y a pas d'information pour dire qu'il a été au courant par le biais de sa femme qui, qui on a envoyé une vidéo et qui permet de dire que par le assassinat. Et ceci, il a dit à Radio Méga, il dit à Radio Métropole et il peut le dire dans notre radio encore. Ça veut dire que le président a une volonté pour payer dans le cadre de ces devoirs-là pour l'avancer. Et moi-même, je dis ça, c'est écoute. Il faut savoir reconnaître les valeurs de quelqu'un. Elle dit quelqu'un qui ne doit pas d'accord avec nous, ou pas à l'aise avec le bazar mine, mais quand il fait quelque chose de bien, il faut dire ça. Il y a un paquet d'acteurs qui sont engagés dans la lutte, ça. Et nous-mêmes, au niveau du barreau, chaque 28, il y a un événement qui a fait. Dernièrement, il y a un événement où on fait City, il y a une raison de faire. Après, nous faisons un débat sur ce décret, des différents décrets adoptés. Nous faisons. Pour 28, ça, il y a un événement. On a fait un événement. On a assassiné le bâtonnier en fonction. C'est un message qui a été lancé pour freiner toute velléité citoyenne qui voulait qu'effectivement qu'il y ait dans ce pays un renforcement de l'état de droit. Maître Benson Pierre-Louis critique le ministre justice et sécurité publique, la Maître Roquefeller Vincent qui fait un gel justement sous système justice là, bloqué depuis plusieurs mois à cause grève. Soutien à dysfonctionnement coup d'appel, passé dans grève commissaire de Bouillot, de tomber dans grève Ichier. La justice l'a passé une année fermée. D'après Maître Pierre-Louis qui fait connaître situation ça, il y a un gros impact sur avocat aussi tout prisonnier au cap péri dans prison. Maître Benson Pierre-Louis pour une dernière fois. Coup d'appel bloqué depuis 2 ans. Le pouvoir judiciaire est bloqué totalement. À Port-au-Prince particulièrement, tribunal là, nous sortons de grève juge, nous avons trêve, nous entrons dans grève greffier, nous avons trêve, nous entrons dans grève paquetier. Pas de trêve, nous passons en décembre comme ça, blanche. Elle dit, avocat gagne 2 ans en chômage, c'est les mieux lotis, les mieux placés, les mieux connectés, c'est eux qui vivent là. Mais difficilement quand même. Oui. Elle dit, depuis le tribunal va fonctionner, il n'y a pas qu'à réaliser ou pas même de problème. En d'autres termes, non seulement il y a des gens qui sont en prison qui ont péri, mais le ministre de la Justice, tant qu'on le dit, tant qu'on me songe, j'ai été comme président de la Justice, et comme si, il n'y a pas qu'à. Et je lui ai parlé pour dire, attention, monsieur le ministre, oui, il y a une responsabilité, je dis, et la Fédération des barreaux, nous avons une stratégie pour nous rencontrer avec le Premier ministre et le ministre de la Justice. Sous question ça, il n'est pas normal pour responsable de justice et puis pour la fonctionner comme ça. Très bien. Donc, moi-même, condamné ça et moi demandé au ministre de la Justice pour lui ramasser mail et société à tout, il est pour nous faire bien. L'autre information dans le journal Méga Matin, le président de la République, là, Jovenel Moïse, qui recevait vendredi 18 décembre, dans deux turbines qui ont capacité pour produire 60 MW courant. Après, ça a été transporté, turbine, ça a dans la centrale électrique, Kafoua. Chef d'État, dans l'occasion, fait qu'on activité, ça a rentré dans le cadre de la première phase, à un projet, il a annoncé, pas longtemps, centrale électrique, Kafoua, capable de produire 120 MW courant pour un total 120 millions de dollars américains. Dans l'occasion, le cadre par la nationale a renouvelé engagement l'autre fois encore pour mettre courant 24 sur 24 dans le pays. Quand dit nous notre capable dit Bekassarol autour d'un rêve ça encore. Écoutez président Jovenel Moïse. C'est pas 60 MW général électrique là qui ferme la matin. M'a dit nous ça ferme devant nous là. C'est pour me venir dire nous. Moi même qui parle avec nous hein, côté me sorti, m'était comme ça relé étudier dans l'autre tête grid up tout. M'était comme ça relé étudier dans l'autre tête bobèche. Ça veut dire aujourd'hui, rêve pam pour voir comment moi, c'est pour me retirer dans le fait noir, dans le fait noir côté de nous. Aujourd'hui, elle vient en Haïti et me dit avant de quitter le pouvoir, je quitte le courant 24 sur 24 dans le pays. C'est lui qui dit. Nous voulons pour nous tous ensemble nous veillons pour nous sortir Haïti dans le fait noir et c'est ça que je décide de faire. C'est pour ça là, à côté de nous, là, c'est pas 60 MW seulement qui là. 60 là, c'est la première phase là. Deuxième phase là, pour le 60, ça fait 120 MW qui va gagner. Là, à Kafou. Et je profite de dire, je fous ça. Pour qui ça, Kafou? Depuis les maps fin connecté là, yo même pas calumé 24 sur 24. C'est parce que mauvaise décision que tu prends longtemps. Besoin que Kafou gagne, on besoin pour 40 MW. Mais sous-station qui gagne rivière froide là, qui recevoir seulement 27 MW.
Ça veut dire pour nous travailler, pour nous augmenter la capacité sous station avec le travail que nous avons fait Taïwan. Le travail que Taïwan a fait pour augmenter la capacité sous station dans la zone métropolitaine. C'est pour ça que pendant que nous dérapé là, nous avons tout dit que nous avons fait 10 avril, nous avons connecté nous 24 sur 24. Faut entendre que sous station ça a fait une fête. Nous avons fait upgrade li, yo fin augmenter capacité pour arriver 40 MW, là ça pour me allumer kafou 24 sur 24 parce que moun kafou nous mérite l. Pas de personne qui ka vinn faire nous tourner des cailles. Pas de personne qui ka faire oublier nous parce que pas oublier, c'est là me sorti, n'est Christophe Chanel yo là k'ap garder nous. Nous connait bien vote me sorti. Moment arrivé pour nous couper fâché avec monopole tirolite dans pays là. Moment arrivé pour nous couper fâché avec 3, 4, 5 nègres qui comprennent qu'Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour tout le monde qui est devant lui. Haïti pas qu'à pour vous seulement parce que vous avez signé un mauvais contrat et pour vous comprendre le contrat, ça a été vite à mettre un homme.